Quelqu'un à l'autre bout des ondes que nous connaissons à peine va peut-être faire basculer notre vie. Si ça fonctionne, si notre turbine imaginaire est bien en place, ils vont être reliés directement à ce qui est leur part la plus précieuse, à leur trésor. Tout mal et tout superflu seront mis de côté. Ce qui importe, Michael, c'est que notre turbine est réconciliée un moment, aussi bref soit-il, avec leur être profond, séparé, lavé un instant de notre part de médiocrité. C'est ça qu'on veut faire. Essayons d'inventer autre chose, créons des trucs que personne n'a vu. Mais il est pas si con que ça, le rappeur. Gayatri, au moins c'est clair, c'est universel. On veut créer le beau. Michael, ce que l'on veut, c'est quoi? Nous, on veut transcender notre réalité, non seulement la dépasser, la remettre en question, mais surtout, c'est pas aller plus loin, voir ce qu'on pourrait faire si. Ce n'est pas avec les armes de son ennemi que l'on va construire un autre monde. C'est ça! C'est exactement ça, en fait, notre problème. Vous l'avez entendu. En tant qu'artiste, il faudrait absolument détester le monde dans lequel on vit. Il parle carrément d'ennemi. C'est pourquoi le combat, il ne se porte pas là, mais sur le jaillissement de notre trajectoire. Sur ce qu'on fait avec ce qu'on a, et toi et moi, nous, on fait partie de ceux qui doivent se battre pour elle, c'est tout. Alors, battons-nous! Allez, j'atteste! Je porterai ma croix avec toi jusqu'au Golgotha. Il y a trop de choses qui ont mal tourné, c'est un fâcheux concours de circonstances, je suis le résultat d'étranges hasards, mais là... This is a prayer! Quoi? Mais tu reconnais pas? This is a prayer! Ils montent une télé-réalité pour des jeunes peintres. Non. Ah, si. En un mot, avez-vous du talent? C'est ce que nous verrons dans un instant, mais tournons-nous vers votre conjoint. Non, collègue. Quand est-ce que vous avez mangé de la viande pour la dernière fois? On est végétarien. Oh, génial. J'étais tout jeune, je ne connaissais personne et... Lui, il était intelligent, cultivé, il vivait de son travail. Et alors? Bah, un soir, on rentrait du théâtre, on remontait l'avenue Montaigne et il m'a dit qu'il voulait que je monte chez lui. Et lui, vous en pensez quoi? Ah non, lui, ça sent le faux profil. Dans deux messages, ça sera des photos de nu et tout le toutime. Mais il n'y a pas tort, le fâcheux. C'est quoi son petit nom? Quel? Note les doubles discours, les fausses confidences, les regards complices qui n'expriment rien d'autre que l'avidité de ce type qui doit se dire chaque seconde, laisse-moi le baiser. Laisse-moi le baiser, quand est-ce que tu craques? Moi je l'ai bien fait, alors pourquoi tu le ferais pas? Chacun son tour, laisse-moi le baiser, putain! Alors vas-y. Enlève ton émerdeur, ça va pas du tout, hein. On va essayer autre chose. Voilà, tu me plais, c'est bon ça! Oh oui, oh, excite-moi un petit peu! Ça va pas? Tu ressens pas cette injustice immense là qui nous étouffe? Qui veut nous faire baisser la tête? Nous prosterner devant des nuls, des fils d'eux, des gigolos. Des gigolos qui couchent pour leur avancement personnel. Des banquiers. Je ne remercierai plus pour un mur dans le 94. Moi, je sais bien que c'est insensé. Je me réveille tous les matins en me demandant mais comment ça se fait que tu sois encore là? T'as de la chance que je t'aime. Pour te supporter, il faut vraiment, mais alors vraiment, vraiment beaucoup t'aimer. Raphaël. Noir. Final.